Buonasera, penso che siamo pronti a cominciare. Allora, benvenuti al terzo incontro dedicato al rapporto tra arte e matematica, che ha questa sera per protagonista la figura di Italo Calvino. Vi ricordo che i primi due incontri, che sono parte di un piccolo ciclo che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR, e qui ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Roberto Natalini, hanno avuto per protagonisti un'altra matematica di fama mondiale, Ingrid Bechy, in due tempi diversi, e una tavola rotonda con Chiara Valerio, Roberto Natalini e Cesare Pietro Iusti, che sono ora fruibili sui nostri canali, sito internet e YouTube. L'ultimo incontro sarà il 31 gennaio, esclusivamente online, e sarà un dialogo tra la medaglia Fields, Alessio Figalli, la medaglia Fields, per chi non lo sa, è l'equivalente del premio Nobel per la matematica, e sarà un dialogo tra Alessio Figalli e la giornalista di Radio 3 Scienza, Roberta Fulci, che si interrogheranno, o meglio, forse interrogheranno il tempo, e si intitolerà L'ora zero. Ma veniamo ai nostri ospiti. Michèle Audin è una matematica specializzata in geometria e una scrittrice. Per quasi 30 anni è stata professoressa di matematica presso l'Institut de Recherche Mathématique Avancée dell'Università di Strasburgo, interessandosi principalmente di geometria simplettica e delle sue applicazioni alla meccanica. Ha scritto numerosi testi matematici e libri di storia e si è particolarmente interessata all'applicazione della geometria intesa come vincolo all'interno di un processo creativo letterario che l'ha portata a diventare membro dell'ULIPO, cioè dell'Opificio di Letteratura Potenziale, che fu il gruppo fondato nel 1960 da Ramon Quenot e da François de Lyonnais con l'intento proprio di esplorare le potenzialità creative attraverso regole e costrizioni formali e strutturali, attraverso l'impiego di costrizioni alfabetiche, fonetiche, sintattiche, lessicali e anche attraverso metodi e concetti matematici. Anche Italo Calvino partecipò alle ricerche sperimentali dell'ULIPO e nel 1990 fonda la sezione italiana OPLEPO, Opificio di Letteratura Potenziale. Nell'introduzione al libro di Quenot, Segni, Cifre e Lettere, Calvino scrive così: «La struttura è libertà, produce il testo e nello stesso tempo la possibilità di tutti i testi virtuali che possono sostituirlo. Questa è la novità che sta nell'idea della molteplicità potenziale, implicita nella proposta di una letteratura che nasca dalle costrizioni che essa sceglie e si impone. Esempi nell'opera di Calvino sono le cosmicomiche, le città invisibili, Se una notte d'inverno un viaggiatore e naturalmente Ticcon Zero, che è la raccolta di testi da cui ha tratto ispirazione il titolo della nostra mostra e che nello specifico è una notazione matematica con cui si indica l'istante iniziale di osservazione di un fenomeno. Ora però, prima di lasciare la scena alla professoressa Audin, ho il piacere di lasciare la parola alla dottoressa Leonora Cardinale, che è responsabile dell'Ufficio Archivi e Biblioteche Contemporanee della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, che ci illustrerà brevemente la sala Italo Calvino, che è stata recentemente allestita all'interno della biblioteca, che raccoglie tutte le opere dello scrittore, libri personali, il suo fondo, e nella quale gli studiosi si possono immergere attorniati da alcuni dei suoi oggetti e arredi personali. Prego. Sì, buonasera, per me è davvero un piacere essere qui in questa occasione speciale per presentare un progetto di recentissima inaugurazione, la Sala Italo Calvino all'interno della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. La sala è stata inaugurata lo scorso 28 luglio alla presenza del direttore della biblioteca Andrea De Pasquale. All'inaugurazione ha partecipato il ministro della cultura Dario Franceschini e la figlia di Calvino Giovanna. Com'è stato possibile ricostruire il salone studio
della casa, dell'appartamento di Campo Marzio a Roma. È stato possibile grazie alla stipula di una convenzione di comodato tra la Biblioteca Nazionale e Giovanna Calvino, che nel 2020 ha fatto sì che la biblioteca divenisse il luogo di conservazione non solo del fondo archivistico e bibliografico di Italo Calvino, ma come vedremo anche di tutti gli arredi, oggetti, opere d'arte presenti nella casa di Piazza di Campo Marzio. Ricordo come Calvino visse a Campo Marzio dal 1980 al 1985, è l'ultima abitazione dopo il trasferimento da Parigi. E la casa di Campo Marzio, nel momento in cui era una casa su due livelli, quando si accedeva nella casa di Campo Marzio ci si immergeva subito in un grande salone studio, dove a dominare, a colpire subito, era una grande libreria che conserva il cuore della biblioteca di Italo Calvino, della biblioteca di Campo Marzio, dei libri che lui sceglie di portare a Roma. È una biblioteca di circa 8.000 volumi, conservati in ben quattro librerie. La libreria più grande, centrale, è proprio conserva il cuore della sua biblioteca. I libri sono stati ricollocati esattamente come erano conservati a Campo Marzio. Ogni palchetto ha una doppia fila di libri e in qualche modo i libri hanno un rapporto tra ciò che è prima, ciò che è dopo, ciò che è sopra, sotto, a destra e a sinistra. È una rappresentazione proprio del sapere ultimo di Italo Calvino. Un grande salone dove, attraverso una libreria che si chiamava la libreria Divisorio, attraverso questa libreria si accedeva a quello che era il vero e proprio studio di Italo Calvino, dove lavorava Italo Calvino. Ecco, questa è un'immagine proprio che ce lo rappresenta nella casa di Campo Marzio, la sua scrivania, la scrivania che portò, acquistò proprio per la Casa Romana, e la sua macchina da scrivere sono ora esposti nella sala Italo Calvino. La macchina da scrivere è la famosa lettera 22 dell'Olivetti. Quindi Calvino lavorava nello studio, ma Calvino lavorava anche nel terrazzo della sua abitazione. Vi ho detto come la casa era su due livelli: al piano superiore si poteva accedere a un meraviglioso terrazzo, il terrazzo da dove si vedeva la Baronde dei Tetti, per citare Palomar, e quando pensiamo al Palomar e pensiamo alla casa di Campo Marzio, sono ovviamente due aspetti strettamente uniti, perché la casa Palomar, la casa di Campo Marzio è Palomar. E proprio dal terrazzo si saliva su un'altana dove proprio si apre tutto il panorama sui tetti di Roma. Ecco, la biblioteca ha acquisito anche tutti gli oggetti particolari, come questa sfera presente, abbiamo ritrovato proprio attraverso le fotografie anche degli oggetti simbolici appartenuti a Calvino. E ancora, tra i tanti oggetti, ricordo sempre la fotografia di Elio Vittorini come esempio, perché la fotografia di Elio Vittorini nelle varie foto è sempre presente tra gli scaffali di Italo Calvino, cambia spesso posizione ma è sempre presente, e in questo scaffale è dove noi le abbiamo trovate nel momento in cui siamo entrati nella casa di Campo Marzio. Non poteva mancare la fotografia dell'Ulipo, della riunione del 1975, fotografia presente nella casa di Campo Marzio, infatti l'abbiamo ricollocata esattamente dove è stata trovata. E ancora la sala Italo Calvino ci racconta del Calvino non solo dell'abitazione di Roma, ma anche delle abitazioni precedenti, perché in una stanza accanto al salone studio erano conservati sia questo mobile libreria che questa scrivania. La stanza veniva chiamata la stanza del solitario. Ecco, questo mobile libreria è un mobile che viene dall'abitazione torinese, quindi ci riporta al Calvino di Torino, e conserva i libri che erano nell'abitazione torinese, libri che dopo il 1985 la moglie Cicita ha donato alla casa editrice Einaudi.
La realizzazione di questa sala ha permesso un accordo tra la biblioteca e la casa editrice Einaudi e questo accordo ha permesso l'arrivo a Roma anche dei libri che erano presenti nell'appartamento di Torino. La scrivania invece ci racconta del Calvino parigino, perché questa scrivania è la scrivania che Calvino utilizzava a Parigi, era presente nella sua abitazione parigina e la portò con sé nel trasferimento a Roma. Di fronte alla sala Calvino è stato allestito un giardino intitolato proprio a Calvino, che permette creare un percorso tra piante tipiche del paesaggio ligure che vengono citate nelle sue opere, e è un omaggio anche ai genitori insigni botanici. Mi fa piacere ricordare come questo giardino, che è stato inaugurato insieme alla Sala Calvino, è stato allestito e curato da un'associazione di ragazzi di Sabo, di Roda, del secondo municipio di Roma. E ancora, la Biblioteca Nazionale ha dal 2015 un museo al proprio interno, un museo dedicato alla letteratura italiana contemporanea, che è il suggello di un lungo percorso di acquisizione, conservazione e valorizzazione di archivi e biblioteche d'autore di scrittori contemporanei. Ecco, all'interno del museo anche qui abbiamo uno spazio dedicato a Calvino, dove è presente una terza scrivania. Questa terza scrivania appartiene all'abitazione torinese e arrivò a Roma dopo la morte di Italo Calvino, la portò la moglie Cicita, quindi è oggi esposta all'interno del museo, dove sono esposte anche delle carte autografe e prime edizioni di Calvino. Il fondo archivistico e bibliografico è ora oggetto di un progetto di inventariazione e catalogazione. Proprio come è stato previsto dalla Convenzione di Comodato, è stato istituito un comitato scientifico che lavora proprio sul progetto non solo di catalogazione e inventariazione, ma anche di valorizzazione di tutto il patrimonio che oggi è conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, per permettere quanto prima di rendere fruibile a tutti gli studiosi questo patrimonio inestimabile. Alcune informazioni su come visitare questo spazio. Il Museo Spazi Novecento è un luogo aperto a tutti nell'atrio della biblioteca, quindi si può visitare liberamente accedendo alla Biblioteca Nazionale, è un ingresso gratuito. Invece, per visitare la Sala Calvino, che è all'interno della biblioteca, in una sala di consultazione, la Sala Falqui, che è completamente dedicata alla letteratura italiana contemporanea, è necessaria una prenotazione. Vorrei concludere, prima di lasciare la parola a Michel Houdin, con una citazione, e la citazione è tratta da Ticon Zero. Questo che voi chiamate ordine è uno sfilacciato rattoppo della disgregazione. Ho trovato un posto al parcheggio, ma tra 2 ore dovrò scendere per rimettere una moneta nel segnatempo. Se me ne dimentico, porteranno la macchina via con una gru. Ecco, questo mi pare che rappresenti pienamente Italo Calvino. Grazie. Buonasera. Bon, c'est bon. Ok. C'est un peu intimidant de venir parler de Calvino, moi, français, ici à Rome. Donc, j'ai choisi de vous parler de Calvino à Paris. Pas ermite à Paris, mais géomètre à Paris. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, la maison de Calvino à Paris, dont vous avez vu une partie du bureau tout à l'heure, la voilà. C'était 12 Square de Châtillon,
à Paris. Et ce jour-là, Calvino sortait de chez lui. Chez lui, c'est là, dans le 14e arrondissement à Paris. C'est dans le sud de Paris. Je peux même vous montrer un plan. Donc, je ne sais pas si j'ai un... Si j'ai... D'accord. Bon, voilà, donc c'est là, le square de Châtillon. Une petite rue dans le sud de Paris. Et aujourd'hui, il doit aller voir son éditeur français. Et son éditeur français, c'est les éditions du Seuil. À l'époque, c'était ça. 27 rue Jacob. Donc là, vous voyez le logo des éditions du Seuil. Et je vais vous montrer aussi comment c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et bon, voilà. Donc là, l'histoire que je vous raconte se passe à un... pas par une nuit d'hiver, mais par une belle matinée d'automne, et Italo Calvino décide qu'il va aller à pied. Il va marcher. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est cette promenade, la même promenade qu'Italo Calvino. Un peu, c'est pas très long, un peu moins d'une heure, enfin, si ça traîne pas trop. Voilà. Donc, Calvino marche dans la rue à Paris, et peut-être que si quelqu'un le croisait, il penserait, tiens, voilà un promeneur solitaire. Mais pas du tout. Italo Calvino est toujours accompagné de ses hétéronymes que vous connaissez, qui sont Marco Polo, comme dans Les Villes Invisibles, Palomar, l'astronome, Monsieur Palomar lui-même, et le vieux Fuchs, je ne sais pas comment vous dites en italien, mais... celui de Cosmic Comics et de Ticon Zero. Paris, c'est une ville dans laquelle on peut marcher. Donc, je vous montre une partie la partie de Paris dans laquelle Calvino veut marcher. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes. C'est là que le vieux Cook intervient. Il lui dit « Je savais bien ». Ce n'est pas comme l'agglomération de prismes. Alors, je m'excuse, mais là, j'ai pas traduit en italien. Je voulais pas faire une double traduction. Hein. Donc, les citations de Calvino sont en français. L'agglomération de prismes que je vois émerger de l'autre côté de l'Hudson, avec ses flèches acérées. J'y passe la journée là-dedans, en montant et en descendant selon les axes horizontaux et verticaux qui traversent ce solide compact ou le long des itinéraires obligatoires qui rasent angles et côtés. Italo Calvino le sait, le vieux Kouf aime les cristaux, comme celui que vous voyez là-bas, qui est le même que vous voyez à côté là-bas. Qui est peut-être un peu plus léger. Vous savez qu'Italo Calvino aimait la légèreté. Voilà, la ville de Paris est un peu plus souple que cette ville cristalline. Et donc, Italo Calvino hésite sur le chemin à prendre. Est-ce qu'il va passer à l'est du jardin du Luxembourg, le chemin rouge, ou est-ce qu'il va passer... où est-ce qu'il va passer à l'ouest du cimetière Montparnasse, le chemin bleu. Dans une ville, tu as toujours le choix entre plusieurs parcours, lui rappelle Marco Polo. Il lui parle de Smeraldine, ville aquatique, où un réseau de canaux et un réseau de rues se superposent et se recoupent. Pour aller d'un endroit à l'autre, tu as toujours le choix entre le parcours terrestre et le parcours en barque, comme vous voyez sur cette peinture que vous connaissez tous. Et comme à Smeraldine, le chemin le plus court d'un point à un autre n'est pas une droite, mais une ligne en zigzag, ramifiée en variantes tortueuses. Les voies qui s'offrent aux passants ne sont pas simplement deux, il y en a beaucoup. Et elles augmentent encore si on fait alterner trajet en barque et passage à pied sec. En réalité,
pense Italo Calvino, ce n'est pas seulement le fait des canaux. Les canaux créent un effet poétique. Ils mettent aussi l'accent sur le côté géométrie dans l'espace, dimension 3 de la ville. Mais c'est le cas dans toutes les villes, même ici à Paris. Pensez à Italo Calvino, la rue Pascal passe sous, comme vous voyez sur la photo, passe sous le boulevard Arago, sans le croiser. On n'a pas besoin de canaux. Une ville n'est jamais euclidienne, pensez à Italo Calvino. Par deux points, il ne passe presque jamais un unique plus court chemin. Presque jamais, mais ça arrive. Donc voilà, une ville, deux points entre lesquels il y a un unique plus court chemin. Et c'est un dessin que j'ai trouvé peut-être dans les archives de l'Oulipo. Et j'y pense parce que Italo Calvino aussi pense à une réunion de l'Oulipo. Donc, comme vous avez vu dans son bureau, il avait cette photographie de l'Oulipo. Donc, c'est une réunion de l'Oulipo qui s'est tenue un jour dans les années 70, où, bien sûr, vous avez tous reconnu Italo Calvino, ici, dans lequel on voit François Le Lyonnais, que Nora a mentionné tout à l'heure, ou Francesca, peut-être, Georges Perec, dont on va parler tout à l'heure, et d'autres membres de l'Oulipo que je ne vais pas vous nommer. Enfin, si, il y a Raymond Queneau, quand même. Voilà. Et justement, Italo Calvino pense à Raymond Queneau, qui s'est inspiré des fondements de la géométrie du mathématicien allemand David Hilbert. Donc, ces fondements de la géométrie, Italo Calvino a essayé de les remplacer par des fondements de la littérature. On vous a dit qu'il y a des rapports entre l'Oulipo, les mathématiques et la littérature. Ah ben, voilà. Il pense à cet axiome que par deux points passe une droite et une seule. Il a remplacé cet axiome par celui-ci, par deux mots, passe une phrase et une seule. Et lui, Italo Calvino, pendant cette réunion de l'Oulipo, avec son petit accent en français et sa grande timidité, il a fait remarquer que peut-être que le mot « jour » et le mot « homme » échappaient à cette règle, puisque lui-même avait écrit dans un livre publié et même traduit « Les villes invisibles ». C'était avant qu'il entre à l'Oulipo, mais quand même. Il a écrit « En partant de là et en allant 3 jours vers le Levant, l'homme se trouve à Diomira ». Et aussi, quelques pages plus loin, dans le même livre, au bout de 3 jours, allant vers le midi, l'homme rencontre Anastasie. Et comme vous voyez, il y a 2 phrases dans lesquelles il y a les mots « jour » et « homme ». D'ailleurs, dans les archives de l'Oulipo, on pouvait trouver aussi cette image où ces 2 phrases, effectivement, se rencontrent en 2 points, ce qui est quand même un peu embêtant. Donc, il a fait remarquer ça pendant cette réunion. Et à ce moment-là, Georges Perec a fait remarquer que il y avait aussi le mot 3 qui apparaissait 2 fois, donc ça faisait beaucoup trop. Et Georges Perec a eu l'idée d'utiliser, pas seulement pour aller d'un point à un autre dans une ville, pas seulement le plus court chemin, mais le plus court chemin passant par le plus de rues. En fait, c'est pas vrai, ça marche pas, parce que il n'y a pas d'unicité non plus. Même si vous êtes dans une ville dans laquelle il y a une seule maison, vous voyez qu'il peut y avoir 2 chemins passant par le plus de rues allant d'un point à un autre. Bon, toutes ces images viennent, bien entendu, des archives de l'Oulipo. Je voudrais insister sur la présence dans l'Oulipo d'un mathématicien qui s'appelait Claude Berge, que vous voyez ici sur cette photo avec Pavel Erdős, qui est un mathématicien hongrois très connu de théorie des nombres, dont peut-être vous avez entendu parler.
Et Claude Bert, j'avais eu des idées assez, assez intéressantes. Donc, il pensait que, il écoutait cette conversation en pensant que peut-être il fallait trouver une définition mathématique. Et lui, Italo Calvino, pendant ce temps, il s'est mis à penser à la similitude qu'il y a entre les plans des villes et la littérature. Comme j'ai mentionné Claude Berge, je vais vous montrer une belle idée que Claude Berge avait donnée à l'Oulipo, que Georges Perec a utilisée pour écrire le livre, le roman « La vie, mode d'emploi ». Je vais expliquer les petits carrés tout de suite. Je veux juste dire que la même figure, ou presque, a été utilisée par Calvino parce que quand il voulait préparer ce livre qui s'appelle « L'incendie de la maison maudite » et qu'il n'a jamais terminé. Peut-être que je vous explique comment ça marche, quelle était l'idée. Donc, chacun des petits carrés sur la figure représente un chapitre du livre que vous allez écrire, enfin que Calvino va écrire. Dans chaque petit carré, vous voyez, il y a deux couleurs. La couleur du grand carré et du petit carré. Par exemple, ici, on va prendre ce chapitre-là. Vous avez du vert, et du gris et du rouge. Par exemple, ça pourrait être, disons que le petit carré rouge, ça représenterait un personnage. Le petit carré, ça représenterait un personnage, et le grand carré, ça représenterait une action. Par exemple, le rouge, ça serait l'héroïne du livre, et le gris, ça serait l'action, ça serait assassiner. Ah oui, c'était un roman policier. Hein. Donc, par exemple, ce chapitre-là raconterait une histoire d'assassinat mettant en jeu l'héroïne du livre. Voilà. Donc, bon, malheureusement, donc vous voyez, c'est un joli schéma pour écrire un livre. Malheureusement, Italo Calvino n'y est pas arrivé. C'était un peu compliqué, et puis il fallait trouver un ordre pour ranger les chapitres. Bon, donc il ne l'a pas terminé. Voilà. Et à ce moment-là, il est toujours dans sa promenade dans Paris. Il fait quelque chose de très important pour la suite de l'histoire. Il s'arrête pour attacher un de ses lacets. Moi aussi. Et pendant ce temps, il ne se passe rien. Voilà. Alors, bon, puis il se relève, il recommence à marcher. Et il y a beaucoup de villes. Sur un plan, une droite peut même apparaître comme un demi-cercle. Et Marco Polo, qui aime beaucoup les canaux, lui rappelle la forme d'Amsterdam, qui est un demi-cercle tourné vers le septentrion, avec ses canaux concentriques. Vous voyez les canaux concentriques. Ça, c'est impressionnant. Hein le canal des princes, le canal de l'empereur, le canal des seigneurs. C'est ce que raconte Marco Polo dans Les villes invisibles. Et à ce moment-là, des hirondelles interrompent les pensées d'Italo Calvino. Elles coupent l'air au-dessus des toits. Elles descendent, ailes immobiles, le long de paraboles invisibles. Elle s'élance et se laisse retomber, donc elle dessine bien des paraboles. Elle s'en écarte pour avaler un moustique, remonte en spirale, frôlant un clocheton, domine en tous les points de leur sentier aérien, chacun des points de la ville. En voilà des qui ont d'unique plus court chemin, pense Italo Calvino. Les hirondelles sont euclidiennes. Perdu dans ses pensées, Italo Calvino s'égare aussi dans la ville. Il a pris ce chemin-là, mais il a réussi à s'égarer quand même. Heureusement, les rues ont des plaques. Rue Cassini, dit la plaque. Italo Calvino est là en pays de connaissance, parce qu'il le sait bien, Balzac a vécu dans cette rue. Il a même été arrêté, parce qu'il avait trop de dettes. N'empêche,
Italo Calvino est là chez Balzac. Comme il l'a dit, c'est par Balzac et quelques autres qu'il a accédé à Paris, ce paysage interne de la littérature. C'est alors que Palomar intervient. Il lui rappelle les trois astronomes, dont le premier, Jean-Dominique Cassini, dit Cassini Ier, et comme lui, Italo, venu d'Italie. D'ailleurs, il s'appelait Giovanni Domenico. Les trois Cassini, dont la rue de Balzac porte le nom, c'est un peu comme si Palomar avait posé sur la table d'un bistrot parisien, comme une brasserie, des destins croisés, successivement les trois arcanes représentant les trois Cassini. Trois astronomes. Et pourquoi pas, suggère Palomar, regarder cette ville de l'œil de l'astronome, c'est-à-dire du géomètre, parfaitement, se réjouit le vieux Crou, car l'astronomie a toujours été une partie de la géométrie, et même, si je me souviens bien, une partie de la littérature. Celui-ci n'a-t-il pas découvert une planète au bout de sa plume ? S'écrit-il en montrant la statue derrière la grille. Les mathématiques s'écrivent. Car Italo Calvino se trouve maintenant devant la statue de Urbain Le Verrier, c'est un astronome, dans la cour de l'Observatoire de Paris. Le Verrier, c'est l'astronome qui a découvert la planète Neptune par le calcul. Écoute et souviens-toi, intervient Marco Polo. Perinti fut édifié précisément selon le calcul des astronomes. C'est beaucoup d'interventions à la fois pour Italo Calvino, qui se souvient que l'histoire de Perinti, que lui-même a écrite dans Les Vies Invisibles, il y a quelques années, ne se termine pas si bien que ça. Peut-être parce qu'il arrive aussi aux astronomes de faire des erreurs de calcul, même si Le Verrier n'en a pas fait quand il a découvert Neptune. Italo Calvino se souvient de ses difficultés de géomètre lorsqu'il a inventé la ville de Dorothée. En italien, c'est Dorothea, je pense. Voilà le plan de cette ville. Je vous explique. Quatre tours d'aluminium, qui sont en rouge là, s'élèvent de ses murs flanquant sept portes à pont-levis à ressort qui enjambent le fossé dont l'eau alimente quatre canaux. Donc là, vous voyez les quatre canaux. Il y en a un là, un autre là et un autre là. Quatre canaux de couleur verte qui traversent la ville et la divisent en neuf quartiers. En effet, il y a neuf quartiers. Les quatre canaux dessinant neuf quartiers, c'est parfait. Les quatre tours d'aluminium, on arrive encore à les placer. Mais les sept ponts-levis, il n'est jamais arrivé. Et voilà d'ailleurs une image de Dorothea par Italo Calvino lui-même que j'ai trouvée dans les archives de l'Oulipo. Cette fois, c'est vrai. Et Marco Polo, quand il est embêté, il se tait ou alors il dit autre chose, il répond à côté. Et dit à Calvino, ne te souviens-tu pas d'Andrea ? Si, dit Calvino, chacune de ces rues court suivant l'orbite d'une planète. La géométrie suit l'astronomie. Et d'ailleurs, la seule statue érigée dans cette ville est une statue de Thalès, qui est un géomètre. Un géomètre, n'est-ce pas ? Ne vous l'avais-je pas dit ? Jubile Crook. Géométrie, astronomie, littérature, c'est tout un. Et maintenant, dit Palomar, tu vas suivre le méridien de Paris, naturellement. L'observatoire est posé sur le méridien de Paris. Donc là, ce que vous voyez, c'est le méridien de Paris traversant l'observatoire de Paris. D'ailleurs, l'observatoire est avenue de l'observatoire, c'est assez logique. Et l'avenue de l'observatoire est un segment du méridien de Paris. Donc si vous voyez ce plan, donc l'observatoire est là, l'avenue de l'observatoire est là, et ceci, c'est vraiment le dessin du méridien de Paris. L'avenue de l'observatoire est un segment du méridien de Paris.
Je vous prie de m'excuser, interrompt le vieux. Pff, ce n'est pas un segment de droite, mais c'est un arc de cercle. Je me permets de vous rappeler la courbure positive de la Terre. Si la courbure était nulle, dit-il à Italo Calvino, tu pourrais y coller du papier, l'envelopper, sans déchirer le papier, ni le plier. Je ne peux pas, demande Italo Calvino en sortant un bloc et en découpant une feuille. Tu crois que tu peux ? Mais ce n'est que parce que ta feuille de papier est trop petite. Imagine que tu veuilles emballer une balle de ping-pong dans un paquet cadeau. Ah oui, se souvient Italo Calvino, j'ai essayé une fois avec un œuf de couturière. Je voulais l'offrir. Et bien, en effet, la courbure de ton œuf, comme celle de la Terre, est positive. Et il y a des courbures négatives, demande Italo Calvino. Apparemment, il n'a pas su lui répondre. Donc, au bout de l'avenue de l'Observatoire, Italo Calvino, toujours accompagné par sa troupe, arrive dans le jardin du Luxembourg. Le palais du Luxembourg se trouve sur le méridien. Le palais du Luxembourg à Paris a été dessiné par et pour une reine italienne qu'on appelle ici Marie de Médicis, enfin à Paris. Eh bien, ce n'est pas trop tôt, interrompt une voix féminine. C'est Ludmila, la lectrice, qui s'introduit dans la conférence. Enfin, une femme. Italo Calvino est confus. Les mathématiciens, et c'est-il, vous savez. Monsieur l'auteur, permettez-moi de vous signaler que vous avez croisé ce matin, à peine un kilomètre avant de vous arrêter devant le panneau de la rue Cassini, la rue Sophie-Germain. Sophie Germain, une mathématicienne qui certainement aurait pu vous inspirer des réflexions mathématiques plus avancées que vos élémentaires par deux points. Pensez aux plaques vibrantes, par exemple. Italo Calvino connaît la rue Sophie Germain, proche de son domicile. Excusez-moi, je crois que j'attachais mes lacets. Je n'ai pas vu la plaque, je pensais à autre chose. Quand je pense que votre n'a même pas su vous montrer de courbure négative. Encore quelques centaines de mètres vers le nord, et je vous en montre, moi, qui ne suis qu'une lectrice. Pour l'instant, ils sont tous et toutes dans le jardin du Luxembourg. Au centre du bassin, le jet d'eau dessine, comme les hirondelles de Smeraldine, une parabole. C'est qu'il y a du vent. Les risées du vent fabriquent des vaguelettes. Italo Calvino, comme Palomar, les examine. Il examine ces petites vaguelettes que vous voyez là, comme si c'était des vagues. On ne peut observer une vague sans tenir compte des éléments complexes qui concourent à sa formation et de ceux non moins complexes auquel elle donne naissance. Ceci varie continuellement. C'est pourquoi une vague est toujours différente d'une autre vague. Mais il est vrai aussi que toute vague est identique à une autre. Du moins, c'est ce que dit Paloma. Alors, vous voyez ici des vagues différentes. Qui sont dus au Cousaille, Gustave Courbet, Turner et Monet. Tu as le concept de vague, ajoute Paloma. Toutes différentes, toutes des vagues. Là, tu penses comme un géomètre. Italo Calvino a levé les yeux vers les marronniers
et les feuilles de ces arbres. Je vous rappelle qu'on est en automne dans cette histoire. Espérant peut-être une contribution de son cher Cosimo, Baron Percher, qui viendrait soutenir que pour bien voir la Terre, il faut la regarder d'un peu plus loin, ce qui est encore un point de vue de géomètre. Il n'y a plus, hélas, aucun chemin dans les arbres qui mènent d'ombreux à ce jardin, à ces marronniers. Voilà une géométrie qui aurait plu sûrement au mathématicien Claude Berge, dont j'ai parlé tout à l'heure, des chemins entiers dans les arbres. Mais c'est trop tard. Les feuilles des arbres, oui, dit Palomar. Toutes ces feuilles différentes, dont pourtant tu sais qu'elles sont des feuilles. Tous deux pensent alors à un vieil ami de la littérature, Funès, que l'on appelait Funès el Memorioso, qui se souvenait si précisément et si définitivement de l'individualité de chacune des feuilles, de chacun des arbres qu'il avait rencontrés, que le concept même de feuille lui était étranger. Comme l'a dit son biographe, Jorge Luis Borges, « Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. » Dans le monde de Funès, il n'y avait que des détails, et c'est tout. Ce matin, en visitant le bureau de Calvino à la Bibliothèque nationale, j'ai regardé la bibliothèque de Calvino et je me suis aperçue qu'il avait rangé ses livres de Borges entre ses livres de Pérec. Donc je pense que ce n'était pas absolument idiot de faire entrer Borges dans cette histoire. J'en étais bien contente. Voilà, Italo, donc ça c'est la citation que j'ai lue là, vous voyez, toutes ces feuilles, comment est-ce qu'on reconnaît que toutes ces choses sont des feuilles? On sait que c'est des feuilles alors qu'elles sont toutes différentes. Voilà. Donc, Italo Calvino va bientôt arriver chez son éditeur. Donc, il va ici, rue Jacob. Et c'est là qu'il arrive. Et pour nous, aujourd'hui, la promenade de Calvino s'arrête là, malgré le désir de Ludmila qui voulait l'emmener plus au nord pour lui parler de courbure négative. Donc maintenant, je vais faire une petite pause avant d'arriver à la partie délicate de la fin de cette conférence. C'est une pause, hein, c'est pas une catastrophe. Alors, cette pause devrait ressembler à une ellipse. Je cite un peu un roman de Flaubert, L'éducation sentimentale. Donc, c'est une ellipse, il voyage encore. Et un jour, il est en Italie. Il se souvient que Ludmila, la lectrice, lui a parlé. Voilà la lectrice, de lui montrer un peu plus au nord de la courbure négative. Donc c'est toujours, on est toujours à Paris, juste un peu plus au nord de la rue Jacob où il était l'autre jour. On est maintenant au mois de septembre. Italo Calvino lit le journal et puis la lectrice aussi lit le journal et il regarde la même image. Voici sur le plan, vous voyez qu'il y a ici le pont Neuf, qui est un pont de Paris. Cette année-là, au mois de septembre, ce pont Neuf a été emballé par un artiste qui s'appelle Christo. Donc c'était tout emballé en tissu et cordes. Et c'est une image de Christo qui représente cette chose-là.
Il regarde la même image et du coup, elle se souvient de cette promenade d'un autre automne. Elle lui dit « Regardez, imaginez un peu d'érosion, que le pont soit bien lisse ici, bien rond, sans angle. Et bien là, sous le pont, c'est la courbure négative. » On est en septembre 1985, Christo emballe le pont neuf à Paris. Elle lui explique, c'est ce que vous voyez sur l'image, le tissu doit faire des plis, il ne peut pas ne pas faire de plis. C'est ça la courbure, ici négative. Et maintenant, elle s'adresse à Palomar. Vous savez, Palomar, qui regardait les seins nus des femmes sur les plages, et elle lui dit, si au lieu de te consacrer à regarder à te laisser impressionner par les seins nus des baigneuses, tu avais regardé leur dos, j'ai pas dit leurs fesses, j'ai dit leur dos, ben, tu aurais peut-être compris ce que c'est que la... Ah, elle n'est pas bien cette image-là. Tu aurais peut-être compris ce que c'était que la courbure négative. Et c'est comme avec les feuilles. Hein, penser, c'est oublier les différences. Donc la courbure négative que vous voyez ici, que vous voyez sous le pont ici, que vous voyez sur le dos du cheval là, ou sur la selle, hein, ou que vous voyez dans ce dessin mathématique, eh bien c'est la même chose. Voilà. Donc en fait, Calvino a marché très très vite, alors on a presque fini, mais ça, l'histoire ne se finit pas très bien, parce que ce jour-là, le jour où Christo a emballé le pont neuf à Paris, c'était le même jour où a eu lieu un très grand tremblement de terre à Mexico, un énorme tremblement de terre à Mexico, en 1985, donc le 20 septembre. Et vous voyez la première page de ce journal français, Libération, qui annonce, c'est les premières images du séisme monstre au Mexique, donc du grand tremblement de terre, mais il annonce aussi la mort d'Italo Calvino. Voilà, et donc il nous reste, c'est le même journal, il nous reste la lectrice pour nous parler de Calvino, qui fut aussi un petit peu géomètre, comme j'ai essayé de vous le montrer. Et bon, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on a des questions ou... En fait, ça, c'est à moi. Se qualcuno vuole porre delle domande a Michel Audin, prego, lo può fare, può venire qui. Il vaut mieux la poser en français parce que moi j'ai pas de traduction simultanée. Ah, merci. Merci, c'est bon, vous pouvez aller en italien, c'est parfait. Parlo in italiano o in francese? La domanda che volevo porre, alla quale non so se la sua competenza può venire in aiuto, nel senso che io sono una persona di lettere e lei è una persona che ha studiato e ha lavorato in campo scientifico. Quando si leggono le città invisibili, una delle domande che mi sono posta è quanto è stata grande l'influenza di Marco Polo e l'opera Le Livre des Merveilles, che noi chiamiamo
il milione, non so, lo sapranno tutti, ma insomma, noi diciamo il milione per dire un milione di menzogne, perché così è stato accolto la prima volta il libro di Marco Polo. Ecco, qual è l'influenza, quale bilancio si può fare nel testo di Città Invisibili fra l'influenza dell'antico e l'influenza dell'Oulipo e del contemporaneo, dove lo spirito della geometria è dominante. Perché evoco Marco Polo? Perché quando si legge Le Livre des Merveilles, ciò che colpisce in rapporto ai cronisti dell'epoca, siamo nel XIII secolo, mentre i cronisti generalmente descrivevano le cose, i monumenti e ciò che appariva come contenuto, Marco Polo parla solo delle traiettorie, dei commerci, degli scambi. E questo mi è sembrato essere un senso molto forte nelle città invisibili di Calvino. Quindi chiedevo, ecco, secondo lei quanto è bilanciato fra l'antico e il contemporaneo. La seconda domanda riguarda le sottotracce che governano le città invisibili, cioè quello che Calvino non dice e che però è sottostante al testo, che Calvino rivela con una domanda che gli fa il Kublai Khan, il quale dice: perché non hai parlato di Venezia? E Marco Polo, trattino Calvino, risponde: non ho fatto che parlare di Venezia. Quindi vi è questo, come dire, sono due aspetti delle città invisibili sui quali spesso mi sono interrogata, ecco, l'influenza dell'antico e l'importanza di un disegno sottostante al testo stesso. Grazie. Oui. Non so se mi sono espressa bene, in fondo. Je vais trouver, voilà. Bon, alors bon, d'abord, c'est pas vrai que Marco Polo ne parle pas de Venise. Il parle Smeraldine, c'est Venise, d'abord. Après, moi, je suis désolée, mais je n'ai pas lu le livre des merveilles. Hein. Bon. En fait, toutes les villes sont Venise dans le livre. C'est ce qu'il dit. Donc, bon, ça m'est un peu difficile de répondre à cette question. Quand Calvino a écrit Les Villes Invisibles, il n'était pas membre de l'Oulipo. Hein, il est devenu membre de l'Oulipo après. Je ne sais pas si ce livre montre une influence de l'Oulipo. À vrai dire, c'est ce que j'ai raconté sur la géométrie dans Les Villes Invisibles, c'est un petit peu artificiel, puisqu'il y a, j'ai relevé tous les endroits où il parle de géométrie, mais je ne suis pas sûre que lui-même, son idée était de montrer de la géométrie. Donc, ça m'est difficile de répondre à cette question, en fait. Excusez-moi si j'ai posé la question sur Marco Polo, mais pour moi, Marco Polo, c'était une très grande surprise, parce qu'il raconte vraiment jamais les choses, ni les rapports entre les choses. Donc, c'est extraordinaire pour l'époque. Oui, certainement, oui. Mais justement, peut-être que dans Les Villes Invisibles, c'est aussi les rapports entre les villes qui est question, puisque c'est toujours la même ville qui est décrite, mais de tant de façons différentes. Un renversement des perspectives aussi, donc il joue beaucoup sur cette idée-là. Et en fait, je ne voulais pas vous lancer dans la littérature très Je n'ai pas le temps de lire le livre avant de répondre à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Avevo solo una questione, una curiosità, diciamo, sull'evoluzione dell'Oulipo, diciamo, cosa ne è stato poi in seguito, se si riunisce ancora, un po' la storia più recente, come... Qual è stata l'evoluzione, questa curiosità? Oh, ça c'est plus facile. Alors, l'Oulipo, qui a été fondé en novembre 1960, donc par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, qu'on a vu sur la photo tout à l'heure. Donc, l'Oulipo...
existe toujours et continue à avoir une réunion tous les mois. Nous avons eu une réunion lundi dernier, oui, lundi, cette semaine, qui était la réunion, si je ne me trompe pas, numéro 735 de l'Oulipo. Et si vous comptez, ça veut dire qu'il y a vraiment eu une réunion tous les mois depuis novembre 1960. Voilà, donc l'Oulipo continue à tenter de produire des contraintes et des formes et pour que tous ceux que ça intéresse puissent les utiliser pour écrire de la littérature. Après, je ne sais pas, la question... Alors, donc, il y a aussi des activités publiques de l'Oulipo. En particulier, il y a des lectures publiques une fois par mois à la Bibliothèque nationale à Paris. Et puis, il y a des tas d'autres activités, comme par exemple moi qui viens ici pour parler de Calvino. On peut penser que c'est une activité de l'Oulipo. Il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des poètes, il y a des mathématiciens, il y a toute une... Donc, l'idée de l'Oulipo, c'est que l'ouvroir doit... produire des façons de potentiel, un potentiel pour la littérature. Ça veut dire pas forcément écrire des poèmes, mais proposer des formes pour les poèmes, par exemple la métrique des poèmes ou des choses comme ça, pour créer des nouvelles choses. Bon, on peut aussi imaginer des formes géométriques. Moi, j'avais proposé des façons d'écrire de la littérature, d'écrire des romans, non pas avec... Qu'est-ce que c'était ? D'écrire des histoires, non pas avec ce genre de figures, mais avec vraiment des figures géométriques. Donc, vous dessinez une figure géométrique, un triangle avec un cercle, des choses comme ça. Et puis, vous regardez la figure, je ne sais pas... une figure de géométrie élémentaire, et puis vous décidez que les points de la figure, c'est des personnages, et puis que quand trois points sont sur la même droite, sont alignés, ça veut dire qu'il y a une relation entre ces trois personnages, et des choses comme ça. Et j'avais proposé d'écrire non seulement j'ai proposé, mais je l'ai fait aussi, d'écrire des textes en utilisant ce genre de contraintes. Bon, il y a des tas de contraintes différentes qui apparaissent toutes les fois. Il faut dire que dans ces 735 réunions de l'Oulipo, on a utilisé... Enfin bon, moi, j'étais pas là au début, bien sûr. On a utilisé un ordre du jour pour la réunion. On utilise un ordre du jour pour la réunion où il y a la première rubrique de la réunion s'appelle « Création ». Et on doit proposer... les présents doivent proposer une création, quelque chose de nouveau. Et la règle, c'est que si personne ne propose de création, la réunion doit être annulée. Et ça n'est jamais arrivé. Donc, je pense que les gens font des... Bon, on a un peu parlé quand même, on a quand même un peu plus parlé de l'Oulipo l'année dernière à cause du roman d'Hervé Le Tellier qui a eu un grand succès en France, Anomalie. C'est traduit en italien, j'imagine. Oui, l'Anomalia, oui, voilà. Donc, bon, ça a fait un peu plus de publicité à l'Oulipo, mais on continue à travailler indépendamment. On est très contents on est très contents de cette histoire, mais voilà, on continue à travailler tranquillement quand même. Est-ce que ça répond à la question ? Michelle, sì. Sei una matematica professionista, mentre molti nell'Oulipo erano matematici, però poi non avevano fatto un'attività scientifica. E sei una scrittrice, hai scritto dei libri, dei romanzi, dei saggi. Qual è il rapporto per te della matematica con la scrittura? Cioè, adesso hai fatto un esempio di schemi geometrici molto semplici, però più profondamente, no? Il modo di pensare del matematico, la filosofia del matematico, come influisce poi sul tuo modo di scrivere? Euh,
Alors, je réponds d'habitude à cette question en disant que j'ai un seul cerveau. Donc, j'utilise les mêmes qualités ou enfin les mêmes possibilités de mon cerveau pour faire les deux choses, que ce soit pour écrire ou pour faire de l'histoire, parce que je fais aussi un peu d'histoire, ou pour faire des mathématiques. On a besoin de deux choses qui sont essentielles, la rigueur et l'imagination. Voilà, et donc j'utilise ça pour écrire et pour faire. Enfin, en l'occurrence, je n'ai plus d'activité mathématique depuis quelques années, mais c'est quand même les mêmes genres de qualités que j'utilise. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? Non, non, clairement non. Je comprends bien que ce que c'est, justement, on s'est posé la semaine dernière in italiano. Ci siamo posti questa domanda la settimana scorsa: che cos'è il rigore in matematica? Forse lo capiamo. Cos'è il rigore nella scrittura? Forse è più difficile. Cos'è per te il rigore quando scrivi un'opera di immaginazione, di finzione? Je vais donner peut-être un exemple. Donc j'ai écrit un roman qui est paru l'année dernière, 2021, dans lequel j'essayais de retrouver ou de réimaginer ou de réinventer une personne, une femme qui a existé dans l'histoire, mais que l'histoire a laissé à oublier. C'est assez courant c'est souvent le sort des femmes. Elles sont invisibilisées pendant l'histoire et après on les oublie. Et donc là, en plus, c'était une femme qui n'avait pas de. Enfin, c'était une blanchisseuse, quoi, une ouvrière. Donc j'ai essayé de reconstruire cette histoire. Et ben là, pour écrire quelque chose comme ça, je vous promets que vous avez besoin de beaucoup de rigueur, parce que il faut retrouver complètement le cadre de vie. Entre 1871 et 1880, donc c'est après un épisode de l'histoire de France qui s'appelle la Commune de Paris. C'est des moments que moi je connaissais pas très bien, donc il faut essayer de reconstruire le paysage autour d'elle, le paysage social et géographique même. Par exemple, elle va à Londres. Comment va à Londres en... Voilà. Donc pour ça, il y a besoin d'un maximum de rigueur, parce que, je veux dire, on peut pas inventer des choses sans, pour que ce soit, il faut que ce soit crédible. Est-ce que je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais bon, de mon point de vue, c'est aussi dans le rapport à l'histoire que qu'est la rigueur là. Merci. Ça répond ou pas? Bon. Donc on peut aller à la question suivante. Buonasera. Vorrei sapere come si sostiene l'attività di Oulipo dal punto di vista economico e se c'è un rapporto tra questo laboratorio così importante e il mondo del cinema. Grazie. Alors, du point de vue économique, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de finance. Donc les réunions, ça coûte pas cher parce que on se réunit toujours chez quelqu'un et on arrive et puis on boit pas mal en fait. Hein. On boit, on mange et on discute et on fait la réunion comme ça. Donc c'est comme un dîner chez des amis. Donc ça coûte rien. La plupart des activités de l'Oulipo, ça coûte rien. Sauf que bon, après, si chacun qui intervient quelque part, il peut être payé pour cette intervention. Mais bon, voilà. Après, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec les livres ou pas.
Par exemple, Hervé Le Tellier, il a gagné beaucoup d'argent l'année dernière et ça continue. Moi, j'en gagne beaucoup moins avec mes livres, mais bon, c'est pas. Voilà, il n'y a pas de modèle économique du fonctionnement de l'Oulipo. Et c'était quoi la deuxième question ? Ah, le cinéma. Ah oui, oui, alors ça, c'est une excellente question. En fait, il n'y a pas que. Y a... François Le Lyonnais, quand il a créé l'Oulipo, il avait d'autres idées pour d'autres ouvroirs. Par exemple, il y a un ouvroir de peinture potentiel, il y a un ouvroir de musique potentiel, il y a un ouvroir de bande dessinée potentiel. Mais à ma connaissance, je dis peut-être une bêtise, il n'y a pas d'ouvroir de cinéma potentiel. Et en effet, je n'ai pas connu ça. Il y a un ouvreur de comment ça s'appelle, ouvreur de tragédie potentielle. Donc c'est des comédiens qui font des choses potentielles, mais au théâtre. Mais le cinéma, j'ai pas de réponse à cette question, qui est une excellente question d'ailleurs, que je m'étais jamais posée. Merci, je ne sais pas.